Dès le début du christianisme, les déserts d'Égypte se peuplent d'ermites qui veulent vivre selon la parole du Christ, ce Dieu des temps nouveaux. L'Égypte fait alors partie de l'Empire romain, et les empereurs oscillent longtemps entre tolérance et persécution envers les chrétiens. Puis, en 313, Constantin décrète la liberté religieuse. Dès lors, les communautés chrétiennes se multiplient. De nombreux fidèles prennent le chemin du désert et rejoignent les ermites. Ils vont bâtir les premiers monastères. Très vite, leur renommée dépasse les frontières de l'Égypte. Des religieux étrangers traversent mer et désert pour les visiter et s'en inspirer. C'est là que s'invente la vie monastique. Le monastère Saint-Siméon, à Assouan, a été en activité du 7e au 13e siècle. Les remparts sont encore en place et la tour centrale qui servait d'ultime refuge aux moines a été restaurée. Chaque année, un pèlerinage de fidèles s'y déroule en mémoire de Saint-Siméon, l'ermite qui vécut le premier en ces lieux. Les monastères, pour la plupart, ont disparu ou n'ont laissé que des ruines.